Hello la compagnie, aujourd'hui c'est tri et organisation de mon dressing. Donc c'est parti, vous allez me voir bien galérer à monter tous mes tiroirs. Comme vous pouvez voir juste derrière moi, les pantalons sont sur une tringle. Donc on va changer tout ça et on va mettre que des tiroirs à la place. Et ce sont des tiroirs PAX de 1 mètre x 58 cm de profondeur. Je les ai achetés à Ikea puisque les dressings PAX se vendent à Ikea. Donc c'est parti pour le montage, vous allez me voir bien galérer, j'ai mis une bonne vingtaine de minutes à monter le premier tiroir, mais je vous rassure, je vais vous épargner le montage des 4 tiroirs, je vous montre que vraiment un seul tiroir. Pour ceux qui débarquent ici pour la première fois, bienvenue, moi c'est Gaëlle, je suis maman de deux petites filles de 2 ans et demi et de 4 ans et demi et je suis mariée et ici vous verrez tous les dimanches une vidéo 100% ménage et le mercredi ou le jeudi ce sera un retour de course ou un vlog ou pourquoi pas un haul action. Sugarcoat and reconcile, so I can do a dance and make us both forget, only to start it up and play it out. Et voilà ce que ça donne une fois les 4 tiroirs montés. On se retrouvera un peu plus tard pour l'organisation. Et voilà un peu plus tard ce que ça donne, il est vraiment temps de tout enlever pour tout organiser. Donc c'est parti, j'enlève tout ce que j'ai mis à l'arrache sur les tiroirs, puisque bah, une fois que les tiroirs sont montés, il y avait une tringle, tout était sur tringle, donc il faut enlever. Et j'en profite pour faire un tri. Donc c'est simple, tous les vêtements où il y a de la poussière dessus, tous les pantalons où il y a de la poussière dessus, ils iront directement en don ou en vente sur Vinted, je ne vais plus les mettre. Et je commence par le tiroir des pantalons, je vais enrouler mes jeans comme ceci et je vais ranger tous les pantalons de sport, les shorts et les pantalons un peu plus fluides. Je vais récupérer tout ce qu'il y a sur les étagères d'à côté pour faire un tri, récupérer mes shorts et les mettre là où ils doivent être tout simplement. Et voilà ce que ça donne. Je vais commander incessamment sous peu des séparateurs pour les tiroirs. Vous verrez ça un peu plus tard. Ensuite, je m'attaque à la tringle. J'enlève tout ce qui est débardeur, t-shirt, t-shirt manche courte, t-shirt manche longue, t-shirt col roulé pour les mettre dans le tiroir du dessus. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui s'affichera à la fin et surtout à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne, il y en a des tonnes. J'en profite pour faire un petit tri, une petite réorganisation au niveau de la tringle et on passe ensuite à la suite. Je passe donc ensuite à la seconde tringle, donc j'enlève tous les cintres pour essayer de mettre tous les cintres, que ce soit tous les mêmes cintres.
Et donc sur la deuxième tringle à côté, il y a les combis, pantalons, combis shorts, ainsi que les robes, robes d'été, robes d'hiver. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un grand dressing. J'ai voulu un grand dressing justement pour éviter d'avoir les vêtements d'hiver dans un sac sous vide dans l'armoire et faire le changement de saison à chaque fois. J'ai horreur de ça. Moi, j'aime bien avoir tous mes vêtements sous la main. Et voilà tous les vêtements qui sont à donner ou vendre et tous les cintres que j'ai enlevés. Et ici, la tringle est parfaite. Donc ensuite, j'ai acheté ces séparateurs de tiroirs sur Shein. L'inconvénient, c'est qu'ils n'arrivent pas jusqu'au bout. Il manque un petit centimètre, mais bon, c'est pas grave. Je les mets quand même parce que ça me sert uniquement de séparateur. Et puis j'en ai commandé une dizaine. Je pensais qu'ils étaient plus grands, j'ai pas mesuré. C'était l'erreur. J'avais pris une autre, un autre style au départ et puis j'ai changé pour celui-ci. J'aurais dû rester sur ceux que j'avais vus au départ, mais bon. C'est pas grave, le but étant que les vêtements soient séparés. Donc je fais pour les t-shirts, je fais la même chose pour les pantalons. Et ensuite on va passer aux deux tiroirs en dessous où on va ranger accessoires, maillots de bain, chaussettes, culottes, etc. Et dans ce petit panier, je vais mettre toute la lingerie fine de nuit vu que c'est de la soie, c'est beaucoup mieux. Et dans celui-ci, je vais mettre les maillots de bain. Donc je vous présente Madame Collection Maillots de Bain, c'est moi. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. J'en vire un parce qu'il est vraiment en sale état. Et il y en a 14 puisqu'il y en a un qui est en train de sécher dehors. Donc je range tous mes maillots de bain. J'essaie de faire un ordre de couleur. Et juste derrière, je vais mettre les maillots de bain une pièce. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. Ensuite, on passe au tiroir d'en dessous. On va caser les culottes, les soutifs et les chaussettes. Et je me rends compte que le troisième ne passe pas. Donc, je vais interchanger avec celui des maillots de bain. Et je vais donc mettre mes chaussettes plutôt dans le tiroir au-dessus. Et mettre les maillots de bain en dessous. Puisque le compartiment et le panier est plus petit. Et voilà ce que ça donne. Donc je m'occupe dans un premier temps des culottes et je vais vous montrer un petit peu comment je plie en... Donc voilà, je ramène tout, je sais pas si vous avez bien vu, mais j'ai fait la même chose que pour les maillots de bain. Et ensuite, on va passer au soutif. Et donc voilà, une fois que c'est terminé, ce que ça donne... Sachant que cette barre ici, elle va partir. Je vais l'enlever quand le dressing sera totalement terminé. Là, c'est vraiment une première partie. Puisque je vais remonter tout ça. Je vais remonter celle-ci. Ici, il y a ma robe de mariée. Je vais la mettre dans une autre housse plus jolie, blanche. Et les chaussures iront ailleurs. Donc ça, ce sera dans la deuxième partie. Et ici, du coup, j'ai oublié de vous montrer. J'ai un peignoir, j'ai les manteaux qui ne resteront pas là à l'avenir. Qui iront à l'entrée quand j'aurai fait préparer mon meuble d'entrée. J'ai les jupes, donc il y en a une qui est au lavage. J'ai les jupes que j'ai mis sur ce genre de cintre pour le moment, mais bon, je changerai de cintre, il faut que j'en commande sur Amazon. Ensuite, j'ai tout ce qui est petit débardeur ici. Nous avons les petites chemises manches courtes, les tuniques. Voilà, ensuite nous avons les chemises, j'en ai pas beaucoup. Et après, on passe sur les chemises longues manches, où là, j'en ai un paquet. Et tous les petits hauts longues manches habillés qui ne vont pas sur cintre. Et puis ici, nous avons les petits gilets. Donc, ici, nous avons les t-shirts. Nous avons les débardeurs. Nous avons les t-shirts longues manches. Ici, nous avons les longues manches, mais col roulé. Et ici, nous avons les hauts de sport. Ensuite, ici, il y a eu des petits changements. Donc, nous avons les jeans, nous avons les shorts et les leggings, nous avons les tenues de sport, les bas de sport, et j'ai mis les pulls ici. Ils étaient au début en bas, quand j'ai ouvert le tiroir. Ensuite,
Ici, nous avons les chaussettes. Il y en a pas d'autres. J'ai fait un tri des chaussettes là qui ont de l'herbe puisque j'ai jardiné. C'est pas parti. Il faut que j'enlève. Donc il faut que je me rachète des chaussettes. Nous avons ici tous mes bas de contention. Team problème de tension, problème de rétention d'eau. Et ici nous avons trois paires de collants. Ensuite, nous avons les pulls pour la nuit. Nous avons la petite lingerie. Et nous avons ici pyjama, pantalon, short et t-shirt longue manche, débardeur. Et ici, j'ai mis toutes mes écharpes. Voilà, passion écharpe, c'est moi. Donc là, les grosses écharpes en laine, les écharpes un petit peu épaisses, un peu plus fines. Et ici, les snoods. Et lui aussi. Et ici, nous avons donc les sous-vêtements, les culottes. Ici, c'est les culottes de règles. Après, j'ai mis des gants pour le froid, pour la neige même. J'ai des bonnets. Ici, j'ai mis mon attelle pour mon genou, parce que j'ai des petits problèmes au genou. Et nous avons les bretelles de soutien-gorge. Ici, nous avons les soutifs. J'en ai encore au lavage. Et ici, nous avons les maillots de bain, deux pièces, et les maillots de bain, une pièce, sachant qu'il y en a un qui est en train de sécher. Ensuite, ici, j'ai mis les combis shorts, j'en ai une au lavage, les combis pantalons. Nous avons les robes courtes, les robes longues. Les robes d'été, les robes manches fines. Et ici, nous avons les robes pour le printemps, automne et les robes pulls. Voilà, sachant que ici, tout ce qui est combi et combi, pantalon, combi short, iront sur une tringle. Ici, prochainement, les étagères sauteront. J'ai encore mes ceintures à ranger, il faut que je fasse un tri, mais ce sera dans la prochaine vidéo, puisque ici, il y aura une tablette avec ouverture où il y aura les bijoux, les accessoires, les lunettes de soleil et les ceintures. Et donc, voilà le tri que j'ai fait dans les culottes qui ne me vont plus, ou les genres de culottes comme ça, qui te gratte les fesses, tu te sens pas du tout à l'aise. Donc voilà, les élastiques qui courent de partout. Donc soutien-gorge, pareil, j'ai tout enlevé. Et ici, j'ai des chaussettes qui se battent en duel. J'ai pas retrouvé la paire, donc ça ira à la poubelle. Et donc voilà pour le tri. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous attends en commentaire. Dites-moi si vous pétez les plombs, vous réorganisez vos dressings. Alors, ce qui est bien avec ce genre de dressing pack, c'est que vous pouvez. Vous n'avez pas besoin de racheter une nouvelle armoire. Vous achetez, vous l'agencez comme vous voulez via des tiroirs. Donc les tiroirs sont bien. Faudrait que je regarde pour les réemboîter un peu plus. Parce que là, ils sont quand même assez lourds. Et pourtant, comme vous avez vu en début de vidéo, j'ai fait un sacré tri. Donc, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si jamais vous avez encore un peu de temps devant vous, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui s'affiche juste à l'écran. Et sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Ciao!